Comment nous les fanatiques? Une autre fois encore, m'a dit nous bonjour, bien bonsoir, n'importe les n'ont regardé vidéo ça. Nous entrons là pour un autre segment dans les vestiaires de J&M. Je dis à nous pas parler de NBA. Nous connaissons NBA qui est chaud en moment là. NBA finals a fini, qu'on y a NBA draft fin sort fait tout. Et nous pas entrer dans NBA free agency très bientôt. Mais il y a un peu de mouvement qui fait dans NBA dans dernier jour là et il y a un plus gros mouvement qui fait dans NBA c'est trade en mort sur Westbrook là qui tourne la Cali qui pral jouer California dans ville que sorti qui pral jouer dans plus gros équipe qui gagne dans ville California qui c'est Los Angeles Lakers qui c'est plus gros équipe Los Angeles gagne et ben Westbrook que tout le monde connaît tout le monde gon les bol que by Westbrook comme joueur qui puis selfish puis égoïste dans NBA. Un peu mon a posé cette question, est-ce que tu es d'accord le marché pour Lakers? Qui ça tu es capoté pour Lakers? Et mais redbranche avec moi pour avoir plus de détails sur ce là, qui est-ce qui transféré sorti dans Lakers aller dans Washington et qui Jean Westbrook lui-même n'est pas capable entrer en dans l'équipe Lakers pour lui coexister bon côté LeBron avec Anthony Davis. Et mais comme nous tout connaissons Westbrook c'est un ancien MVP. Westbrook fait un final avec équipe OKC. Westbrook fait 11 ans dans l'équipe OKC et après ça pas marché. Westbrook t'a gagné Durant à une époque, t'a gagné James Harden. Ça vient pas marcher, Westbrook t'est pour contre lui et après ça Westbrook t'est venu gagner Carmelo Anthony avec Paul George, ça pas marché. Paul George vient quitter Westbrook là, joindre Kawhi dans Clippers. Anthony était dehors dans l'équipe là parce qu'il pas de performant et Westbrook était lui-même venu demander pour quitter l'équipe là tout. Westbrook était venu à jouer un bon ami James Harden dans Houston. Ça qui était duré seulement une saison, ça pas de marché. Westbrook vient faire autre pal, Harden faire autre pal. Westbrook vient tomber dans l'équipe Washington. Là, on l'autre fois encore Westbrook pas arrivé faire deux saisons dans une équipe pendant 4 dernières années capable de résoudre sur 4e équipe là. Et Westbrook dans Lakers, c'est un bagage qui était pour moi-même inévident dans un sens parce que t'as une autre nom qui était nommé, mais Westbrook là t'es paraît une fait qui était plus réel qui pouvait être fait parce que Westbrook a une bonne relation avec LeBron et les montées d'idées dans notre coup Chris Paul là vraiment difficile pour Chris Paul et une raison qui fait Westbrook dans Lakers là t'es fait un peu le sens c'est façon de jouer Westbrook nous connaît que nous sommes qui critiquent Westbrook en pile pour décision qu'il prend. Jean que lui jouait tête chaude mais l'aime de la façon de jouer les cases qui jouait un basket fast tempo qui dit que c'est ça Westbrook jouait lui même tout mais puis la question qu'a posé c'est qui Jean Westbrook pral poser sans pour jouer avec deux joueurs ça et mais je fais qu'on est que gain une réunion qui était faite deux semaines de cela entre LeBron avec Westbrook avec Anthony Davis côté que trois monsieur étaient chita pour être entendu pour jouer ensemble. Et t'es même des suggestions qui fait que LeBron dit que si c'est lui-même qui pousse le power forward pour Anthony Davis jouer center pour équipe là qui a avancé, il a fait pour qu'a fait mettre Westbrook à l'aise et Westbrook lui-même tout t'es dit que lui prêt pour mettre Igo Pal sur côté pour jouer battre dans parce que tout côté Westbrook passe il toujours dit pas changer style moi pour personne monde moi pas grand embrasser dans moi m'a fait ça moi qu'on a habitué fait et Westbrook pour autant à part de shooter Westbrook comme si pourcentage shoot Westbrook pas bon mais dans 6 dernières années Westbrook fait 4 années côté que lui average un triple double pour toute année qui ça compte triple double c'est là que je apprends 10 rebonds et plus 10 assists et plus et puis discore 10 points et plus il pas obligé point rebond avec assist de calotte bagaille mais Westbrook ça avec point rebond avec assist que lui était fait Westbrook montrer nous que même les qu'un pile monde bal tite égoïste là mais li là pour li passer boule là en pile année ça là encore qui sont finir saison sont finir Westbrook average un autre triple double dans équipe Washington là dans 4 dernières années seule année que Westbrook pas average un triple double c'est l'année qu'il fait dans Houston là côté qu'il average 7 à 6 avec 7 rebonds seulement. So qu'est-ce que ça veut dire pour une équipe tant que Lakers pour une équipe tant que Lakers ou gagne le monde qui a bon 8 à 9 passes 10 passes à l'aise chaque soir ou gagne Westbrook ça veut dire là seulement ou gagne 20 passes décisives mais qu'on a là est-ce qu'on gagne élément qui pour convertir 20 passes ça que Westbrook avec le bon pral baou dans soirée c'est la grande question nous connaît Davis en santé capable peut-être by chaque next hour you sac 8 passes, 9 passes à l'aise. Li ka recevoir la main next hour mais qu'on a reste équipe là. Qui ça qui gens les pour construire équipe ça. Qui ça les pour mettre sous côté next hour pour équipe là faire succès.
Eh bien, on ne parle de trade Westbrook dans Lakers là avant que nous arrivions dans tout détail ça. Westbrook dans Lakers, Lakers perdu Caldwell Pope, Lakers perdu Kuzma et puis Lakers perdu Montrezl qui c'est center qui a joué dans Clippers qui devient jeune Lakers pour une année, ça va pas marcher et pas ça pas marcher c'est à cause de blessure le bon avec Anthony Davis qui vient exposer une série de lacunes que monsieur gagne la calé dans basket qui vient faire que monsieur Lakers c'est pas vrai badav retourner avec mais équipe a venir demander des changements parce que yo gen le bon avec Eli yo pa jam gen vraiment gen troisième moun nan ki pou te capable Kuzma ki pou te step up mais capable dire c'est Kuzma qui cause des jeux avec Caldwell Pope avec Harrell parlant les 15 pour saison qui va venir et moi même son bagage comme des était inévident que Kuzma par non équipe Lakers là même si c'est après draft même si c'est avant draft et même si c'est pour avant saison ouvert me connaît que Kuzma pas ouvert saison en équipe Lakers là yo tap trade monsieur n'importe façon et maintenant trade ça Lakers voye aller j'aime dire Kuzma Caldwell Pope avec Montreal avec 22e draft pick qui a été gagné dans draft jeudi soir là et yo recevoir là mais Washington en Westbrook avec deux second round draft pick deux draft pick dans deuxième tour 2024 avec 2026 mais son trade qui beaucoup complet trade là qui élargi dans qu'est-ce qui a élargi et les Lakers gagnent jusqu'à 6 août pour compléter trade là côté que yo ka mettre en troisième équipe et au jeune plus monde et yo ka voye plus moun ale tout. Ki se nan yo ki ka fèt nan troisième équipe sa. On pa oublie que Lakers ni même tout te essayé, t'ap essayé même jwè ke l voye nan Washington, yon t'ap essayé pran Buddy Hills nan Sacramento ki son shooter ke Lakers a bezwen nan équipe la pou te mete sou côté monsieur, mais yo ale yo fè deal Westbrook la plutôt. So, nan ki sens trade la ka élargi avant 6 août lan, c'est que avec Dennis Schroeder même si ki son free agent, quantité cob que Dennis Schroeder ta vle pran nan mon équipe qui ne doit pas qu'à offrir cette équipe là pas un salary cap là mais Lakers qui a fait ça en trade parce que c'est joueur Lakers lié côté que Lakers qui a fait ça en trade là voyer dans Schroeder dans Sacramento pour être prendre Buddy Hills si et seulement si que Dennis Schroeder est prêt pour jouer dans équipe Sacramento à lui-même qui dit et qu'a gagné dans une autre draft pick qui entrer dans trade ça tout qui vient faire que pour taper facile pour Lakers ou mais à moins que Sacramento a dit OK m'a prendre Dennis Schroeder puis m'a juste pour Buddy Hills et puis nous finir à ça et Buddy Hills qui gagnait un contrat de presque 20 millions par année là même et c'est la même zone ça que Dennis Schroeder a essayé chercher contrat 19-20 millions par année sur cela dit je ça je te ca just fait l'une pour l'autre et puis quitter le marché puis Lakers a prend Buddy Hills qui c'est un shooter que Lakers a besoin sous côté LeBron avec Westbrook LeBron pas un très grand 3 points shooter et de même pour Westbrook nous connait ça déjà et c'est là Lakers pas besoin de monde, pas besoin de monde qui compte shooter pour mettre sur côté Lakers. Et Lakers toujours souffert pendant dernière année, Lakers il prend monde qui était franc shooter et puis les remettre dans équipe là. Yo pas arrivé porter ça que nous-mêmes nous attendons dans meilleur comme shooter. Nous ca prend Danny Green, nous ca prend Wesley Matthews saison qui s'est passé à et tant d'autres l'autre nèg qui passe dans équipe Lakers qui pas jamais ça était qu'on fait dans équipe avant, pas faire dans Lakers qu'on y a. Pendant pas de nèg qui a shooter 3 points. Nous pral garder ka Westbrook pendant 3 dernières années la contre les saisons ça qui Jean Westbrook t'ai shooté lui-même sous terrain qui Jean Westbrook t'ai yé. Si n'a prend saison 2018-2019 là Westbrook t'ai average 22.9 points par match. Westbrook t'ai average 11 assists et puis 11 rebonds et puis 10 assists par match. Westbrook t'ai shooté à 65% dans photo qui pas un bon bagage. Et Westbrook te chute à 43% souterrain qui c'est qui OK mais 29% dans 3 points pour 73 matchs que Westbrook joué 29% 3 points pas bon saison 2019-2020 nous connaît corona te campé ou ta finir dans bobo là Westbrook c'est dans année ça que Westbrook te dans Houston Westbrook te average 27.2 points par match 7.9 rebonds par match 7 assists par match il chute à 73% dans photo qui était un petit jean monté. Il shootait 47% souterrain qui était bon et il shootait à 26% dans 3 points dans 57 matchs que le jeu pour équipe Houston 26% 3 points. Il dit non numéro Westbrook dans 3 points a descend et dans saison qui se passe là dans Washington Westbrook average 22.2 points par match. Il average 11.5 rebonds par match, 11.7 assists par match. Il shootait à 44% et puis 31% dans 3 points et puis soit dans 65 games il était average 65% dans photo qui dit photo pourcentage photo Westbrook pas un bagage qui bon pour monde parler de lui et c'est pas un bagage qui bon à regarder et nous gagne le bon la même nous va prendre 3 dernières années le bon mieux on va dire 3 ans que le bon fait dans équipe Los Angeles Lakers là
LeBron average 27.4 points dans la première saison de l'équipe Lakers. Nous comptons qu'il y a une première saison, ça a été fini. LeBron était raté en pile game. L'équipe là était jeune et LeBron pat arrivé playoff à l'équipe là. LeBron était gain un average de rebond de 8.5 rebonds par match et 8.3 assists par match qui était très bon pour LeBron. Mais plutôt LeBron était 66% et l'on regarde 3 points LeBron était à 34% qui est pas mal. Et sous terrain overall, LeBron est à 51%. La deuxième saison, LeBron qui est saison côté qu'il était champion. LeBron était average 25.3 points par match. Il était average 10 assists, qui était mais une autre qui fait plus assists pendant la saison. Il était average 7.8 rebonds par match. Il était shooté à 69% dans le free throw qui pas de bon, à 34% presque 35% dans 3 points et il a shooté à 49% sous terrain qui pas mal du tout. Saison ça sont fini, nous connaissons gens défini pour le monde avec blessure. LeBron était average 25 points, 7.7 rebonds, 7.8 assists qui pas mal, il était shooté free throw encore à 69%. Il était shooté 3 points à 36% et puis il était shooté à 51% sur 3 points. Sous terrain, tout ça statistique ça LeBron avec Westbrook qui pas des grands 3 points spécialistes. Yo pas besoin des joueurs qui ca shooté 3 points sur côté yo qui pour permettre que équipe là avancer parce que ou ca gagne 3 joueurs qui fort, ou ca gagne tout par moi-même 3 monsieur ça parmi 10-15 joueurs qui plus fort en NBA ou bien pour me dire 20 joueurs qui plus fort en NBA pour saison qui venir ou bien en général mais ayo 3 yo pas ca accomplir mission ça que les gars pour ta accomplir pour ta faire des challenges face à équipe Brooklyn Nets là et l'autre équipe qui gagne l'autre mouvement que on va faire toujours. So, l'équipe la gagne comme objectif c'est mettre des joueurs qui ca shooter sous côté monsieur Sao. Est-ce qu'on shoot pour Buddy Hills capable fait? Oui, il capable fait. Dis nous qui tient pour le faire déjà. Est-ce que LeBron va jouer moins à boule la main? Oui, c'est là je pas fort, du pas joindre en pile et c'est une bagarre que LeBron supposé faire, c'est dominer en dedans et puis pour essayer ouvrir espace pour bay joueur sous côté lui. Espace pour ta ouvert prend 3 points et il faut assurément que monsieur Sakayo même yo capable convertir 3 points ça. Alors c'était dans l'événement de J&M, nous t'a regardé pour qui gens équipe les Lakers a fait de la marché, qui ça les Lakers pas besoin sur côté, monsieur a besoin pile bagaille et rebrancher n'a porter plus détails pour toujours sur NBA trade et NBA off season qui pral très chaud parce que pile mouvement qui pral fait parce que bah yo pas facile comme ça l'autre année tout monde a essayé venir améliorer l'équipe pour venir pour challenge pour équipe Milwaukee pour équipe Brooklyn n'importe monde qui veut pour challenge et mais pas grand pile bah qui pas le fait c'était encore l'autre fois dans l'événement de J&M, rebrancher pour plus épisodes.